Bonjour tout le monde, on vous retrouve ce soir pour un live qui va parler d'une nouvelle province. Récemment, on vous a parlé de la Colombie-Britannique pour ceux qui décident de partir vivre leur PVT ou au moins une partie de leur PVT du côté de Vancouver ou de Victoria par exemple. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre province de l'Ouest canadien, l'Alberta, que vous vous situez pas forcément très bien, mais qui est clairement l'une des plus jolies provinces du pays. Donc ce soir, on va être accompagné de quatre experts sur la province qui vont pouvoir vous donner des informations assez variés. Vous pourrez poser vos questions pendant le live, moi je vais les noter et à la fin je pourrai leur poser directement pour qu'ils vous donnent des précisions sur les sujets qui vous intéressent. Pour faire assez rapide, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir, pvtis.net, donc on est un site d'information et d'entraide gratuit qui existe depuis plus de 16 ans, bientôt 17 ans, qui vous fournit beaucoup d'informations si vous voulez partir au Canada dans le cadre du PVT ou même d'un autre permis EIC, le permis jeune professionnel, le VIE ou le permis de stage notamment. On a beaucoup d'événements qui sont organisés soit en présentiel, soit sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé en consultant notre article événement PVTIS 2022. Je serai notamment prochainement à Lille, à Lyon et à Limoges. Et puis bien sûr, on fait beaucoup d'informations, beaucoup de séances d'informations en ligne qui viendront peaufiner un petit peu certains sujets qu'on survole sur le site. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé. On vous propose également un guide des PVTistes en Australie, au Canada, pardon, que vous pouvez télécharger gratuitement sur pvtist.net dans l'onglet Info pratique. On a beaucoup de dossiers thématiques, d'articles d'actualité. On a une checklist des départs au Canada en période de Covid-19. On vous propose des interviews de PVTistes. Vraiment, pensez à aller sur notre site, quel que soit votre futur statut au Canada. Et je vous précise que jusqu'au 31 mars, sur pvtist.net, Air Canada met en jeu un billet d'avion aller-retour de la France vers le Canada, quelle que soit la ville qui vous intéresse, donc y compris l'Alberta, si c'est ce qui vous intéresse. Je vais laisser la parole dans un premier temps au consul général de France à Vancouver et qui va se présenter et qui va vous donner différentes informations. Et ensuite, trois autres experts viendront vous donner plus de précisions. Merci d'avance. Bonjour à toutes et tous, bonjour à Julie, Carole, Mathilde et Roy. Je voulais d'abord remercier Julie et pvtis.net pour l'organisation de ce live et l'opportunité qui nous est donnée de mieux faire connaître notre action et notre rôle vis-à-vis de vos abonnés. Donc un grand merci d'ores et déjà. Remerciements chaleureux aussi à notre consul honoraire à Calgary, Roy Classon, qui va revenir sur son rôle et qui est un relais essentiel du consulat de France à Vancouver sur place à Calgary, qui est dans ses fonctions depuis 8 ans et qui vraiment nous aide beaucoup au quotidien. Et puis évidemment à Carole Bédard et à Mathilde Denier, qui sont aujourd'hui avec nous et qui vont vous donner des informations précises sur la vie en Alberta, l'emploi, la situation économique. Je pense que ça sera très utile. Et un dernier remerciement à Graciane Dôme, qui est notre attachée de presse ici, qui travaille avec moi et qui a organisé cela de main de maître. Alors, qui sommes-nous? D'abord, le consulat de France à Vancouver, c'est un service du ministère des Affaires étrangères. Donc, on appartient à ce qu'on appelle le réseau des ambassades et des consulats de France à l'étranger. Au Canada, vous avez une ambassade, avec une ambassadrice à Ottawa, puis 5 consuls généraux qui sont répartis à peu près sur l'ensemble du territoire. Un à Moncton, un à Toronto, un à Montréal, un à Québec et un à Vancouver. Les consulats généraux de France à l'étranger, ils jouent un rôle essentiel pour les Français qui s'établissent hors de France ou les Français qui sont de passage dans leur circonscription, c'est-à-dire la zone pour laquelle ils sont responsables. Et donc, vous qui venez ou qui allez venir en PVT pour une durée en général de 2 ans, eh bien, ce sera une ressource et un interlocuteur utile pour votre séjour. À Vancouver, on couvre plusieurs provinces et territoires, donc c'est notre circonscription. On couvre non seulement la Colombie-Britannique, mais aussi l'Alberta. C'est pour ça que je suis content qu'on puisse faire ce live aujourd'hui. La Saskatchewan, donc
l'autre province des prairies, comme on dit, et puis deux territoires, le Yukon, tout à fait au nord-ouest, avec la frontière avec l'Alaska, et puis les territoires du nord-ouest qui sont à l'est du Yukon sur le cercle arctique. On est une équipe de 14 personnes réparties entre différents services et puis qui est composée de différents profils, des Français qui viennent de France et puis des Français qui sont établis au Canada et qui travaillent pour le consulat depuis, pour certains d'entre eux depuis longtemps. Moi, je suis ici depuis le 1er septembre, donc je suis encore relativement nouveau et j'en apprends tous les jours. Donc, je suis très content qu'on puisse... je vais en apprendre aussi, moi, ce matin. Trois missions que je vais présenter très vite sur ce que fait le consulat. La première mission, c'est d'assurer la protection des ressortissants français dans le respect de la législation du pays hôte, c'est-à-dire du Canada, et le respect aussi des compétences des autorités locales. Donc, on n'intervient pas à la place de, mais on veille à la sécurité des Français qui sont situés dans notre circonscription. Donc, c'est pour ça que c'est important, si vous êtes résident, d'être inscrit au registre consulaire. C'est très facile, vous pouvez le faire en ligne sur service-public.fr. Et de cette manière, vous avez accès, vous êtes connu du consulat, et vous pouvez recevoir des informations régulièrement par SMS, par mail, par exemple en cas de crise, pour vous indiquer les consignes locales en matière de sécurité. Ça nous permet, en cas de problème, de faire le lien avec vos proches. Donc, il y a le rappel des modalités d'inscription sur notre site internet, vancouver.consulfrance.org. Et encore une fois, c'est très facile, donc n'hésitez pas à recourir à cette procédure quand vous serez installé. Deuxième mission, c'est d'assurer le service public pour les Français de l'étranger. C'est un peu comme une mairie, le consulat il vous permet d'accomplir pas mal de démarches et de recevoir des documents officiels, un passeport, une carte d'identité, déclarer une naissance ou un mariage, faire ce qu'on appelle une légalisation, ce qui permet d'authentifier un document, ou encore, évidemment, de voter depuis l'étranger. Vous savez qu'on aura des élections présidentielles le 9 et le 23 avril, et puis des élections législatives le 4 et le 18 juin. Si vous êtes inscrit au registre consulaire, et donc vous serez inscrit sur la liste électorale consulaire, vous pourrez voter à l'étranger, dans différents bureaux de vote, qui seront ouverts au moment ou le jour des élections. En Alberta, vous aurez deux bureaux de vote, un à Calgary et un à Edmonton, je le signale. Dernier point sur ce service public que l'on rend aux usagers, on organise des tournées consulaires qui sont en fait des collègues du consulat qui se déplacent régulièrement pour permettre aux Français qui vivent en dehors de Vancouver d'accéder à ces services que j'ai mentionnés, la demande de passeport, de carte d'identité. Et on essaie de les organiser régulièrement un peu partout dans la circonscription. Alors, je ne l'ai pas dit, la circonscription, c'est 40% du territoire canadien. Donc, c'est très grand. La Colombie-Britannique, à elle seule, c'est un peu plus de deux fois la France, et l'Alberta, c'est plus grand que la France. Ça fait 650 000 km². Donc, vous voyez un petit peu l'enjeu et le défi que ça représente de pouvoir servir toute cette communauté qui est présente un peu partout dans cette circonscription. On a 10 000 Français qui sont inscrits sur le registre de Vancouver, dont à peu près 2 000 en Alberta. La dernière mission, la troisième, c'est de contribuer avec différents partenaires français et canadiens à la promotion de la France dans les domaines de savoir-faire et de compétences qui sont les nôtres, c'est-à-dire dans l'économie, dans la culture, la promotion du français, l'enseignement supérieur, des coopérations universitaires, de l'innovation. Donc on a des financements qui nous permettent de monter des projets et de travailler avec des partenaires locaux, francophones, mais pas seulement des partenaires francophones. Et puis, on met en relation
tous ces acteurs, les universités, les entrepreneurs, les chercheurs, pour que les relations se développent et qu'on soit plus fort ensemble. Je signale à ce titre deux partenaires importants en Albertin, ce sont les alliances françaises. Vous avez une alliance française à Calgary et une alliance française à Edmonton, qui sont des lieux de rencontre pour les francophones et puis qui proposent des activités, des ressources. Ça sera intéressant d'aller à leur rencontre quand vous serez sur place. Donc, pour être informé et participer, inscrivez-vous lorsque vous serez au registre, à notre infolettre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a, grâce à Graciane, une présence active. Ça vous permet d'être tenu informé des événements. Et puis, le dernier point que je voulais faire, c'est vous parler des limites de notre action. Il y a des choses qu'on peut faire, j'en ai parlé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire d'avance d'argent en cas de perte de portefeuille. On ne peut pas intervenir auprès de la police ou de la justice locale pour vous faire libérer si vous commettez une infraction. Donc, je vous renvoie à notre site internet encore sur les détails de ce que fait le consulat, ce qu'il ne peut pas faire. Vous aurez le détail, Graciane pourra publier le lien vers ce site. Pour résumer, donc le consulat de France à Vancouver avec compétence sur l'Alberta, c'est un service public de proximité pour les Français de l'étranger qui s'occupe de votre sécurité, qui vous permet d'effectuer certaines démarches, comme si vous étiez en France, et puis de contribuer au rayonnement de la culture et des savoir-faire français. Troisième et dernier point, où trouver l'information que j'ai mentionnée. Toutes ces informations et les actualités, elles sont aussi partagées tous les jours sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Évidemment, sur notre site, vous pouvez à nouveau le consulter. Je mentionne deux choses qui seront peut-être importantes pour rendre votre séjour plus sympathique. Il y a une liste sur notre site des associations françaises en Alberta. Et puis aussi une liste, c'est peut-être encore plus important, pour ne pas avoir le mal du pays quand on arrive, une liste de restaurants et de commerçants français qui vendent des produits français en Alberta. Donc, si vous avez besoin d'un bon éclair au chocolat ou d'une bonne baguette, Roy, Mathilde et Carole pourront, je pense, peut-être alimenter cette rubrique. Et en tout cas, sur le site, encore une fois, Graciane veille à mettre à jour ses coordonnées. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et une dernière information, c'est si vous prévoyez de venir dans les prochaines semaines, je signale qu'Air France va reprendre ses vols directs, non pas avec Calgary, mais avec Vancouver, à partir du 9 mars. Mais ça fait quand même un vol direct jusqu'à Calgary et ensuite jusqu'à Vancouver, pardon. Et ensuite, vous avez une heure et demie d'avion à peu près entre Vancouver et Calgary, avec beaucoup beaucoup de vols tous les jours. Donc voilà une petite information supplémentaire pour les prochains voyageurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. Je précise pour ceux qui ont posé des questions en commentaire que je les note et on pourra y répondre à la toute fin. Et je vais passer la parole à Roy Klassen, qui est donc consul honoraire à Calgary. Merci beaucoup, Julie, et bonjour à tous nos participants. C'est avec plaisir que j'appuie cette initiative. Et je note qu'il y a très récemment, on avait rencontré, Nicolas et moi, un groupe de volontaires internationaux en entreprise. Et je suis ravi de voir cette relève française qui vient chercher des occasions. Et on a eu pas mal de discussions et de rencontres aussi avec des PVTIS. Donc, moi, je suis, comme on dit, le consul honoraire. Et je suis aussi notaire, donc je comprends très bien cette importance de trouver le premier stage, la première expérience, les premiers relais professionnels. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait chaque année dans mon cabinet. Pour préciser un peu ce que fait le consul honoraire, comme Nicolas l'a dit, on est un peu la présence de la France
Il y a un consul honoraire à Calgary, il y en a un à Edmonton. On a tous les services dont on évoquait avant pour la sécurité des Français. On a souvent eu des cas assez difficiles. Récemment, on a dû aider à rapatrier quelqu'un qui était dans la difficulté ici à Calgary. Avec l'aide de Vancouver, on a fait tout le nécessaire pour aider à cette personne de se retrouver. On a aussi souvent des appels tard le dimanche, le soir, des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont des soucis avec le système juridique. J'ai même participé une fois en tant qu'observateur dans une enquête d'expulsion de quelqu'un qui n'avait pas respecté les règles de permis de travail, ainsi de suite. Donc, heureusement qu'on a trouvé des solutions. On a aussi un très beau réseau ici à Calgary avec toutes sortes d'autres pays, ce qu'on appelle le corps consulaire. Donc, s'il y a des questions qui surviennent pour les États-Unis ou l'Allemagne ou ainsi de suite, le Mexique, on a un bon réseau et une bonne amitié avec ces gens. Et évidemment, cette année, l'activité la plus importante au service des Français sera les bureaux de vote dont on a parlé et aussi l'offre des procurations de vote pour ceux qui en ont besoin. Mais nouvelle excellente, comme on a dit, on prévoit en principe deux bureaux de vote qui seront disponibles pour les deux tours et tous les bénévoles sont sur place et sont prêts. Et on espère que tout ça va se dérouler comme qu'on a fait il y a 5 ans. Et ensuite, il y aura les législatives l'été. Donc, en plus de tous ces aspects formels, souvent, on a des questions pratiques. Bon, ça peut être les questions agréables comme où sont les meilleurs croissants ou la crêperie ou ainsi de suite. Mais il y a aussi des fois des difficultés pour différents aspects avec l'administration et sachant que on a certains contacts et des amis un peu partout pour nous aider, on peut guider les Français au besoin pour ces choses, pour les voyages. On a aussi l'avantage que d'autres participants, d'autres présentateurs vont évoquer d'être dans un endroit à 1h30 de plusieurs stations de ski, donc c'est un bel environnement ici à Calgary et beaucoup de PVTistes, de VIE se plaisent énormément dans leur séjour et on est là pour les guider là-dessus. Donc finalement, on est le premier point de contact pour les services consulaires à Calgary et si on ne peut pas faire quelque chose, on va essayer de vous trouver une solution et on est toujours prêt à appuyer les nouveaux arrivants ou les arrivants aspirants. Donc voilà, c'est un peu le tour des questions et je recède la parole à Julie. Merci beaucoup pour ces informations. On va maintenant laisser la parole à Mathilde du groupe Facebook Association des Français à Calgary qui va vous parler de la vie dans la plus grande ville, si je ne dis pas de bêtises, de la province de l'Alberta. Merci Julie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être en charge de vous présenter l'Alberta. Donc c'est de la province dans laquelle je me suis établie au Canada il y a bientôt 8 ans. Donc comme la plupart d'entre vous, j'imagine, donc je suis arrivée avec un PVT qui s'est ensuite transformé en visa jeune professionnel, puisqu'à l'époque c'était possible. Et puis maintenant, donc, je suis en résidence permanente depuis quelques années déjà. Et donc je vis à Calgary depuis le début de l'aventure et j'ai été vraiment séduite par cette ville qui a énormément d'atouts. Donc je vais essayer de couvrir un maximum de choses aujourd'hui en espérant répondre déjà d'avance à plusieurs questions. Donc le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était concernant la langue qui est utilisée ici. Pour ma part, c'était une des motivations qui a fait que j'ai choisi l'Alberta. Donc, l'Alberta est une province anglophone. Donc, vous retrouverez quand même des services en français, puisque les services fédéraux sont offerts en français et en anglais. Mais la langue principale ici reste malgré tout l'anglais. Il y a quand même des services provinciaux qui sont disponibles en français, mais je tenais quand même à mettre en avant le fait que si vous souhaitez venir en Alberta, il est important de parler un minimum l'anglais puisque ça facilitera votre intégration
et notamment donc la recherche de votre premier emploi ici. Donc comme ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, la population de l'Alberta, donc c'est à peu près 4,4 millions d'habitants, donc beaucoup plus petit que la France en termes de population, mais plus grand en termes de territoire, puisque c'est 20% plus grand que la France. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée sur la densité de population. Donc ici, je regarde un petit peu mes chiffres pour pas vous dire de bêtises, mais on est à peu près à 6 personnes par kilomètre carré, alors qu'en France, on est à 120 personnes par kilomètre carré. Donc si vous êtes amoureux des grands espaces, je pense que vous ciblez la bonne province. Pour revenir sur la partie des langues, donc vous rencontrerez malgré tout quand même pas mal de gens ici qui parlent le français, puisqu'il y a à peu près un Albertain sur 7, sur 8 qui parle le français. Il y a quand même une culture francophone qui est assez développée. En 2017, le drapeau franco-albertain a été adopté comme un des emblèmes de la province. Et il y a tout au long de l'année des événements qui sont organisés autour de la francophonie, et notamment donc à partir d'aujourd'hui, puisqu'on est le 1er mars, donc il y a le début du mois de la francophonie qui est lancé en Alberta. Donc tout ça pour dire que vous pourrez entendre la langue de Molière lors de votre séjour ici, mais il faut quand même s'armer avec un petit peu d'anglais pour faciliter son arrivée. En termes de territoire, donc comme je le disais, on a affaire quand même à une province qui est très grande. Vous avez 80% des gens qui vivent dans des villes, mais les deux gros pôles sont Calgary et Edmonton. Donc Calgary, en effet, c'est la plus grande ville de la province d'un point de vue population. Edmonton est la capitale de la province. Donc Calgary, 1,2 million d'habitants, Edmonton à peu près 1 million. Et ensuite, la troisième ville, donc c'est Red Deer, qui a à peu près 100 000 habitants. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée. Si vous êtes amoureux des grandes villes, vous avez le choix entre Calgary et Edmonton. Et si vous préférez des municipalités plus petites, vous aurez l'embarras du choix, parce que ce n'est pas ça qui manque en Alberta. Donc parmi les gros points forts de notre province, donc je pense que vous êtes tous au courant, donc c'est les grands espaces. Si vous êtes amoureux des montagnes, c'est clairement la bonne destination, puisqu'en vivant notamment donc à Calgary, pour parler de ce que je connais, donc vous serez à peu près à 1h15, 1h30 des premières stations de ski. Vous aurez accès aux parcs nationaux, donc très réputés comme Banff, Jasper, Waterton. Il y a énormément de parcs provinciaux aussi qui vous donneront accès à de nombreux sites de camping, des chemins de randonnée fantastiques. Donc clairement, c'est un espace à privilégier si vous êtes amoureux des activités en extérieur. Je voulais aussi couvrir un élément par rapport à l'aspect culturel, parce que ça peut être un peu déstabilisant, entre guillemets, on va dire, au début. Moi-même, donc, j'ai déménagé depuis la France directement à Calgary il y a presque 8 ans, et j'arrivais de Paris. Paris avec sa scène trépidante, ses musées, un peu partout. Quand je suis arrivée ici, j'étais un petit peu déstabilisée parce que je trouvais que c'était pas forcément facile de trouver des activités culturelles. Quand on cherche, on trouve. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a quand même une scène culturelle qui est très développée, avec beaucoup de théâtre, de scènes de spectacle, des musées, donc avec beaucoup de choses qui sont aussi gratuites, beaucoup de festivals. Donc là aussi, vous aurez l'occasion de vous épanouir avec de nombreuses activités proposées. Et donc notamment, je pense que vous avez dû entendre parler du Calgary Stampede, qui se déroule donc au début du mois de juillet chaque année. Et je voulais aussi mettre en avant donc un festival qui me tient vraiment à cœur et qui met en avant aussi la francophonie. Donc c'est le Festival des Sucres, qui lui a lieu, donc si je me souviens bien, puisque la pandémie a un peu bouleversé les choses, début mars. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et ce qui est assez intéressant avec toutes ces manifestations culturelles et ces festivals, c'est que ça permet aussi d'établir un lien avec la culture autochtone.
puisqu'à chaque fois, donc, il y a une reconnaissance des traités qui ont été signés, de la culture autochtone. Il y a souvent une place qui est donnée aux Premières Nations, donc, pour présenter leur culture, leur tradition. Et donc, si vous êtes intéressé pour à l'idée d'aller à la rencontre des Premières Nations, leur poser des questions, ces événements culturels seront tout à fait les bons moments pour pouvoir adresser ces questions et faire de belles découvertes. Donc voilà, ça c'était ma première partie. Ensuite, je vais parler d'un aspect un petit peu plus pratique, je pense qu'il est quand même clé quand on arrive dans une nouvelle ville et dans un nouveau pays. Donc c'est la partie logement que je voulais évoquer avec vous. Vous donner des ordres de grandeur en termes de prix, même si mes chiffres là datent de 2020, donc ça a un petit peu changé. Mais bon, Calgary, Edmonton, donc Calgary est la ville, la plus grosse ville, donc dans laquelle ça coûte le plus cher pour s'établir, puisque pour un logement de deux chambres en 2020, il fallait compter à peu près 1 320 $ par mois. Pour Edmonton, c'était de l'ordre de 1 260 $. Mais ce n'est pas parce que vous vivez dans une grande ville que vous allez payer les loyers les plus chers, parce qu'il y a une énorme tension au niveau du marché immobilier dans des petites villes donc proches des hauts lieux touristiques. Je pense notamment à Kenmore. Pour un loyer, donc un appartement de deux chambres en 2020, il fallait également compter donc 1 730 $ pour habiter à Kenmore, ce qui représente quand même une somme très importante, notamment si vous avez un salaire qui est le salaire minimum de 15 $ de l'heure. Donc la colocation sera certainement le moyen le plus facile de vous établir, en sachant que ces difficultés se retrouvent également donc dans les villes de Banff, de Jasper, qui sont des hauts lieux touristiques, notamment donc pendant la saison de ski, mais aussi l'été avec la saison de camping et des randonnées. Donc si je peux vous donner un conseil, donc c'est lancez-vous pour les recherches donc sur les sites spécialisés. Donc on peut mentionner Rentfaster, Marketplace sur Facebook, Kijiji, en sachant que vous pouvez aussi passer par des agences immobilières pour trouver un bien. Par contre, si vous n'avez pas d'expérience canadienne au préalable, sachez que vous n'aurez pas d'historique de crédit et que ça peut être un petit problème en traitant directement avec les agences immobilières, parce que souvent, ils font une vérification pour vérifier si vous êtes quelqu'un de rigoureux dans le paiement de vos mensualités. Donc, c'est dans ce cas-là, c'est plutôt recommandé d'aller en direct vers les propriétaires, en sachant que vous pouvez leur fournir des preuves comme quoi vous avez des revenus suffisants pour pouvoir vous établir ici au Canada avant de trouver votre premier emploi, afin justement de faciliter la signature d'un contrat pour louer un logement. Donc ça, c'était, je pense, une chose, un élément clé à favoriser pour votre installation. Et ensuite, deuxième pilier qui est très important, donc je voulais vous parler du système de santé. Donc je sais que quand on part en PVT, on doit prendre une assurance. Ça, c'est impératif pour pouvoir à obtenir le PVT à l'arrivée sur le territoire canadien. Donc, en général, cette assurance vous couvre plutôt bien, notamment en cas d'accident. Moi, j'en ai moi-même fait l'expérience avec une mauvaise chute de ski. J'ai dû me rendre à l'hôpital. J'ai dû payer les frais à l'arrivée à l'hôpital, mais j'ai bien été remboursée par l'assurance PVTiste. Mais sachez que j'aurais bien aimé savoir à l'époque, quand je suis arrivée, qu'on peut directement s'inscrire donc pour bénéficier des services de la Alberta Healthcare. Si vous projetez de rester en Alberta pour une durée suffisante, vous êtes éligible. Donc, c'est une inscription qui est gratuite et ça va vous permettre d'accéder aux soins de santé de façon gratuite. Donc, si vous avez besoin d'avoir une consultation chez le médecin généraliste, ou bien donc un besoin d'aller à l'hôpital suite à une chute ou à une blessure, vous pouvez donc vous présenter avec cette carte et vous serez intégralement pris en charge sans avoir à avancer de frais.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je voulais aussi mentionner, donc, si vous n'êtes pas très familier donc, avec l'anglais, surtout quand on est dans des situations de stress, quand on doit faire face à des soucis de santé, donc, vous pouvez trouver des praticiens qui parlent le français. Ce n'est pas donc, quelque chose qui est par défaut. Néanmoins, il y a un annuaire disponible sur Internet. Vous pouvez facilement donc, identifier qui parle le français. Vous pouvez également bénéficier de services d'interprète si vous vous rendez à l'hôpital et que vous êtes en difficulté pour comprendre les personnes qui vous accueillent et qui vous traitent. Donc, vous pouvez faire appel à un service d'interprète et donc vous aider dans toutes ces démarches. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est très pratique. Et si vous avez des questions sur la partie santé, je vous invite à regarder les ressources qui sont disponibles auprès de Réseau Santé Alberta. Il me semble qu'ils ont une page Facebook et avec certitude, ils ont un site web. Et donc, vous pourrez retrouver des éléments qui vous permettront de mieux naviguer et mieux comprendre le système de santé, en sachant qu'ici, on a la chance de bénéficier d'un système de santé qui est très bien développé et qui est très performant. Et donc, ensuite, le dernier chapitre pour la présentation sur la vie quotidienne et on va dire la carte d'identité d'Alberta, je voulais évoquer la possibilité de scolariser vos enfants en français ou bien d'anticiper si vous vous installez ici pour une plus longue durée et que vous envisagez de fonder une famille. Donc, sachez que l'enseignement du français est quand même très bien développé en Alberta. Il y a à peu près un étudiant sur trois qui apprend le français ici. Donc, tout à l'heure, ça a été évoqué, mais donc, on a le lycée Louis Pasteur qui est présent donc, à Calgary, qui offre un cursus en français et le cursus donc, des écoles de France de la petite section à la terminale. Donc, ça, c'est une offre très intéressante qui est proposée ici. Et ce n'est pas dédié donc, à la ville de Calgary. Enfin, pour le lycée Louis Pasteur, oui, mais l'enseignement du français à l'école est proposé sur tout le territoire de la province puisqu'il y a plus de 42 écoles francophones. Et le système éducatif albertain donc, propose différentes options, donc avec soit le français première langue, donc là qui est vraiment mise en avant tout au long de la journée pour les étudiants. Ensuite, il y a la proposition d'immersion francophone. Donc, il y a toujours du français, mais l'anglais est également utilisé lors des journées de cours. Et enfin, donc, il y a le français deuxième langue. Et donc, ce qui permet l'enseignement du français à de nombreux Albertains et ce qui permet de rebondir sur le premier point que j'évoquais tout à l'heure sur l'importance de la francophonie ici. Donc, à peu près un Albertain sur 7, un Albertain sur 8 parle le français, mais sachez que plus encore le comprennent. Donc, vous pouvez toujours aussi avoir la surprise d'avoir quelqu'un qui vous interpelle dans la rue parce qu'il vous entend parler français avec une autre personne. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent à la francophonie et s'intéressent à la langue française. Donc, voilà, j'espère que j'ai couvert la plupart des questions que vous aviez et je redonne la parole à Julie. Alors, Julie, on t'a perdu peut-être? Est-ce qu'on m'entend? Alors, je vais partager mon écran. Moi, je m'appelle Carole Bédard. Je suis... Attendez, je vais vous partager ça tout de suite. Et voilà. Donc, je m'appelle Carole Bédard. Je suis conseillère pré-départ en Alberta et je travaille à la Cité des Rocheuses qui est située donc dans la ville de Calgary. Ça fait 10 ans que je vis au Canada et je suis originaire de Bordeaux en France. Je suis venue aussi avec un PVT, mais maintenant, au bout de 10 ans, ça y est, je suis enfin canadienne. Donc, je vais vous présenter mon organisation. Donc, la Cité des Rocheuses, c'est un centre communautaire et culturel francophone qui existe depuis plus de 20 ans à Calgary.
Et c'est surtout le portail francophone pour les nouveaux arrivants. C'est l'adresse où il faut se présenter quand vous arrivez sur Calgary pour vous faire orienter dans les différents services existants dans la ville de Calgary. C'est surtout aussi un service d'établissement, donc pour les personnes qui ont un statut de résident permanent. Vous avez beaucoup de services qui sont offerts gratuitement par le gouvernement et donc nous avons une équipe de conseillers qui est là pour vous accompagner, pour vous aider dans votre intégration. Au niveau de la province de l'Alberta, la Cité des Rocheuses gère tous les services pré-départ. Donc, ce sont des services qui sont offerts aux francophones qui sont encore en France et dans des pays francophones avant leur arrivée pour mieux se préparer. Et la Cité, c'est aussi le leader en termes de cours de français qui sont offerts par le gouvernement aux résidents permanents. Alors, sans compter le soleil présent 11 mois de l'année et la proximité des montagnes, l'Alberta, c'est une province qui est de plus en plus choisie pour s'installer d'un point de vue économique et pour sa qualité de vie. Donc, j'ai essayé de lister des points intéressants. Quand on parle de salaire, on compare les salaires moyens dans toutes les provinces du Canada. Ben, l'Alberta, c'est celui qui a le salaire le plus élevé, avec une moyenne de 70 000 $ par année. Et c'est beaucoup lié au fait que le minimum horaire est à 15 $ de l'heure, quand dans d'autres provinces, il est à 11,80. Donc, ça explique pourquoi c'est l'endroit où vous allez avoir les salaires les plus intéressants. Et c'est aussi lié beaucoup aux impôts. Donc, on a les impôts les plus bas au pays, en particulier parce qu'on n'a pas de taxes de vente. Donc, quand on fait des achats en magasin, il y a des taxes qui sont en général de 15% dans les autres provinces. En Alberta, on ne paye que 5% sur tous nos achats. Et puis, par rapport au marché du logement, quelque chose qui est assez intéressant, c'est parmi tout, si vous comptez, vous restez longtemps et achetez, c'est parmi les plus abordables en Amérique du Nord. Donc, les villes de l'Alberta sont assez prisées en ce moment. Je ne vais pas revenir sur ce que Mathilde a déjà dit. Donc, c'est vrai que nos deux grosses métropoles sont des villes assez jeunes avec une croissance assez rapide. Et il faut savoir donc que Calgary, la plus grande métropole, a été nommée la ville, la cinquième ville la plus agréable à vivre au monde. Donc, c'est reconnu pour des communautés, des villes qui sont assez sûres au niveau sécurité et qui sont assez accueillants pour les nouveaux arrivants avec beaucoup de services gratuits pour vous aider à vous intégrer. Au niveau de l'économie, c'est pas un sujet évident pour moi dans le sens où même les économistes ont beaucoup de difficultés à faire des interprétations ou des projections par rapport à la crise sanitaire que nous avons eue. Mais actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un taux de chômage à 7,2%. Je vous ai mis un lien si vous avez envie d'aller regarder un peu plus en détail par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la crise du Covid, en mai 2020, on était monté à 15%. Et très rapidement, même pas 6 mois après, en octobre 2020, on était déjà descendu à 11%. Aujourd'hui, on est à 7,2%, donc on voit que la courbe redescend très rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Alberta a vraiment un gros besoin en main-d'œuvre sur plusieurs secteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la population est vieillissante. Il y a 21% des travailleurs actuels qui vont partir à la retraite. Donc, ce qu'on peut voir en Alberta, mais globalement partout au Canada, c'est qu'on a un nombre de postes vacants qui est historique. On n'a jamais vu ça au Canada, donc il y a beaucoup de possibilités d'emploi. Au niveau de la province, plusieurs stratégies ont été mises en place pour booster l'économie. J'en ai sélectionné 3 qui font partie un petit peu de différents investissements de la province. Le premier, c'est l'immigration. C'est d'attirer des professionnels pour venir soutenir notre économie. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans le système dans les systèmes d'immigration pour faciliter le processus de reconnaissance des diplômes. Il y a 7 programmes différents juste pour l'Alberta qui existent. Donc, je vous ai mis le lien aussi si vous voulez aller voir un petit peu plus loin par rapport à ça. Mais il y a des programmes qui sont spécifiques pour, par exemple, aller encourager les gens à aller s'installer dans les zones rurales. Comme disait Matt, il y a 2 grosses métropoles et après beaucoup de petites villes. Donc, on a besoin d'encourager les gens à aller s'installer dans ces villes-là. Donc, il y a des programmes particulièrement pour ça. Il y a aussi des programmes, il y a un programme qui s'appelle Tech Pathway, qui est vraiment pour les personnes qui sont dans le milieu IT, qui ont ces compétences-là, c'est vraiment très recherché. Donc, plusieurs programmes qui existent et qui sont spécifiques à l'Alberta.
Une autre stratégie que le gouvernement albertain a mis en place, ça a été d'essayer de développer les compétences des personnes qui sont sur place. Donc, pour ça, il y a eu une modification du système d'éducation pour le rendre plus accessible. Donc, il va y avoir des aides financières pour accéder à l'éducation, moins de formalités et des études qui vont être offertes plus courtes, dont des apprentissages qui vont être intégrés dans le milieu du travail. Donc, les personnes pourront obtenir des micro-certificats sur leur lieu de travail. Et puis, un troisième volet qui était intéressant, c'était de parler du fait que l'Alberta essaye d'attirer des investisseurs privés. Et ils le font en offrant un taux d'imposition sur les sociétés qui est le plus compétitif en Amérique du Nord. Donc, le taux est à 8% pour les sociétés, ce qui fait que aujourd'hui, la ville de Calgary est la ville où il y a le plus grand nombre de maisons-mères, donc de compagnies qui se sont installées ici par rapport à cette chose qui est très attirante. Il y a sur les 10 plus grandes banques mondiales, il y en a 7 qui se sont installées en Alberta. Donc, c'est vrai que Calgary essaye de se situer comme la ville du futur, le Western Business Center, comme ils disent, parce qu'elle est très bien géolocalisée au niveau de tous les transports, que ce soit routier, ferroviaire et aérien. La ville de Calgary a un aéroport international qui est connecté à 86 villes directement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ce qui permet vraiment à toutes ces compagnies de pouvoir s'installer facilement. Et donc, tout ça, ben, ça crée des emplois. Pour tout ce qui est des industries, il y en a beaucoup qui sont en demande, où il y a beaucoup de besoins, donc je ne pourrais pas passer à travers tout ça aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, que ça reste l'Alberta est vraiment un choix pour les compagnies pour deux choses, l'esprit entrepreneurial et communautaire. Ça plaît beaucoup aux startups et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent s'installer ici. Pour n'en citer que deux, l'agroalimentaire, c'est un des secteurs les plus importants en Alberta parce que en dehors des deux grandes villes et de la montagne, l'Alberta, c'est beaucoup de prairies et donc une très forte agriculture. Donc, il y a beaucoup de production de grains, de fermes d'élevage. Et si vous mangez un steak au Canada, vous avez vraiment une chance sur deux qu'il soit produit en Alberta. Donc, c'est vraiment un gros secteur. Et j'avais envie de citer le secteur du tourisme, parce que quand on est bilingue et qu'on parle le français, c'est vraiment un secteur où vous pouvez facilement trouver de l'emploi, où il y a des besoins. Et ce qu'on peut voir avec cet aéroport international, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies low cost qui sont en train de de s'installer. Donc, ça crée beaucoup d'emplois et c'est beaucoup lié, comme le disait Mathilde, à nos parcs naturels, tous nos domaines skiables qui attirent énormément de monde. Donc, les villes comme Banff, Jasper ont des besoins en main-d'œuvre. Mais comme le disait Mathilde, il y a quand même une difficulté de recrutement parce que les gens ont des difficultés à avoir des solutions de logement. Donc, on voit plutôt des emplois saisonniers dans ces secteurs-là. Alors, au niveau de certaines stratégies pour trouver de l'emploi en Alberta, je vous ai fait une petite liste des choses que vous pouvez faire avant votre arrivée. J'aimerais un petit peu vous parler du fait que c'est important d'explorer votre métier et de faire des recherches parce que vous voulez savoir quelle formation ça prend en Alberta et quel salaire vous allez pouvoir avoir, ce qui peut être très différent de ce que vous aviez l'habitude en France. Donc, c'est important d'évaluer le temps que ça va vous prendre pour obtenir une certification et quels sont les organismes de reconnaissance. Il y a, si parmi vous, il y en a qui ont commencé à faire des démarches d'immigration, vous avez sûrement fait une équivalence de vos diplômes. Une équivalence et une certification, c'est vraiment deux choses différentes et c'est important de faire ce travail de recherche le plus tôt possible parce que ça prend du temps. Donc, une équivalence, c'est en fait le niveau d'études. Si vous avez eu un bac plus 3 en France, ça va vous donner un niveau de bachelor degree. Ça vous donne votre niveau, mais ça ne vous donne pas le droit d'exercer. Donc, pour avoir le droit d'exercer, il faut vérifier si votre métier est spécialisé et s'il est spécialisé, quel est l'ordre professionnel qui va le régir. Par exemple, le métier de professeur des écoles,
ingénieur ou le métier de comptable sont régis par un ordre professionnel. Donc, si vous prenez le temps de faire la recherche, vous pouvez commencer d'ores et déjà à faire votre dossier pour obtenir le droit d'exercer, parce que parfois, c'est un petit peu long. Ça peut prendre des cours supplémentaires, des tests, des mises à niveau. Donc, c'est pas mal de temps qui peut faire que votre stratégie de recherche d'emploi ne va pas être de chercher un métier spécialisé, mais de chercher autre chose en attendant d'obtenir vos certifications ou bien d'obtenir vos certifications avant d'arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a l'habitude souvent d'avoir eu un diplôme et de faire sa carrière dans la même industrie. Au Canada, vous pouvez vraiment vous autoriser à changer de carrière parce que vraiment, le transfert de compétences d'une industrie ou d'un métier à l'autre est quelque chose de vraiment très courant. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, c'est votre attitude et vraiment montrer que vous êtes motivé à apprendre une nouvelle industrie. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est quand on a eu un certain statut en France, on n'a pas forcément envie de commencer sur un poste qui est plus bas quand on change de pays. Et pour autant, c'est une très bonne stratégie parce que au Canada, les possibilités d'évolution en interne sont très rapides. En moins d'un an, on peut changer de poste. Donc, on arrive très rapidement à réobtenir un niveau de carrière qu'on avait en France. Mais commencer sur un poste plus bas, ça permet de très vite être embauché et de comprendre la culture d'une entreprise. Ça, c'est pour les petits conseils. Découvrir son industrie, je vais vous recommander une liste des 10 compagnies pour lesquelles vous aimeriez travailler. Donc, c'est important dans la phase de recherche de savoir quelles sont les perspectives d'emploi et quels sont les noms des compagnies qui pourraient être intéressants. Et pour ça, en fait, le but, c'est de comprendre la culture des entreprises et de savoir, par exemple, quels sont les outils qui sont utilisés, s'il faut se former sur certains outils avant même d'appliquer, pour vraiment bien comprendre. La meilleure façon de comprendre une industrie ou un métier, comment ça se passe au Canada, c'est de contacter les professionnels qui travaillent dans ces industries-là. C'est eux qui vont avoir les meilleures ressources. Et donc, pour faire ça, parfois, c'est un petit peu gênant quand on est à distance parce qu'il faut contacter des gens virtuellement et il faut surtout se présenter en anglais, qui est notre deuxième langue, et donc on n'est pas forcément très à l'aise. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se préparer. Et pour ça, en fait, pour être capable de bien se vendre, une clé, c'est de bien se connaître. Donc, un des conseils que je vous donnerais, ce serait de bien lister vos expériences. Alors, pas comme sur le CV avec vos tâches que vous avez pu faire, mais de faire tout un travail sur les projets que vous avez menés dans votre carrière. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les compétences que vous avez développées? Et vraiment de noter toutes les actions dont vous avez été fier, vos réussites, quels sont tous les logiciels que vous maîtrisez et ce pourquoi vous êtes reconnu par vos collègues de travail, quelles sont vos forces. De faire tout ce travail-là, ça va vous permettre de prendre confiance en fait dans votre capacité et qu'est-ce que vous pouvez apporter à un employeur canadien et vous mettre dans une situation où vous allez avoir beaucoup plus de contenu pour vos échanges avec les professionnels. Très important, c'est donc d'identifier les compétences que vous avez acquises parce que vous pourriez transférer vos compétences pour un autre métier. Si je vous donne un exemple, comprend le métier d'enseignant. Les tâches de travail, c'est ce qui est écrit dans l'offre d'emploi, mais si on regarde les compétences, ça va être par exemple d'avoir de la patience avec les enfants. On le sait, il faut avoir de la patience. Mais ça, c'est une compétence qui peut être utilisée, par exemple, en service après-vente. De la créativité, quand il faut créer des cours et imaginer comment faire passer un sujet aux élèves, c'est une compétence qu'on a acquise en étant professeur, mais qui peut être utilisée dans la plupart des emplois aujourd'hui. C'est une compétence très recherchée, surtout depuis la pandémie, où on a dû faire face à des employés qui avaient des solutions à trouver face à des nouvelles problématiques. Et donc, d'être créatif, c'est une compétence recherchée. De lister vos compétences comme ça va vous permettre un petit peu de savoir comment mieux vous vendre. Un outil qui est local
et qui est vraiment un site internet sur lequel je vais tous les jours avec mes clients, c'est Alice, alis.alberta.ca. C'est un site absolument merveilleux où vous pouvez passer beaucoup de temps, mais où vous allez avoir, en fait, c'est un bon outil pour explorer les métiers, pour mieux vous connaître et pour avoir beaucoup de conseils sur les CV, la lettre de motivation, etc. Donc, il y a vraiment des fiches métiers. Vous tapez le nom de votre métier, ça vous sort une fiche. Et cette fiche va vous permettre de savoir c'est quoi les écoles en Alberta pour ce métier-là, si c'est un nouveau métier que vous voulez faire. Donc, savoir combien ça coûte, combien de temps ça prend. Ça va vous donner l'ordre professionnel avec un lien vers le site pour commencer à faire vos démarches si vous êtes dans un métier spécialisé. Ça va vous donner un ordre d'idée des salaires en début de carrière et en fin de carrière. Très important pour savoir négocier le salaire avec un employeur. Vous allez avoir toutes les appellations du métier. Donc, si je reprends mon exemple d'enseignant, en anglais, c'est teacher, mais si je regarde, il y a plusieurs autres appellations. Pour faire mes recherches dans Indeed, vous pouvez avoir instructeur, educator. Donc, il y a plusieurs mots pour un même métier. Donc, c'est important d'aller à la découverte de tout ça. Donc, tout un travail de recherche. Dans ce site, vous allez avoir des offres d'emploi. Vous allez avoir surtout des questionnaires pour mieux vous connaître et justement lister toutes ces compétences. Un onglet que j'adore, c'est l'onglet Skills and Ability, qui est dans le fond l'onglet qui va vous permettre de savoir pour un métier, voilà les compétences que j'ai développées. Donc, un très, très bon outil pour mieux vous préparer avant votre arrivée. Et puis donc, quand on parle donc de connecter avec les gens, d'augmenter son réseau, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant d'arriver ici en Alberta. Et surtout, c'est une technique de recherche d'emploi parce que 80% des jobs sont trouver parce que quelqu'un connaît quelqu'un, par le réseautage. Donc il faut essayer de rencontrer des gens sur place et vous pouvez le faire à distance virtuellement avec cet outil qui est LinkedIn. Donc, j'ai listé des exemples de choses très simples que vous pouvez faire avant, enfin pour commencer, parce que je sais qu'en France, c'est pas forcément très utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en Amérique du Nord, on a une culture des relations qui sont productives. Donc, cet outil est vraiment un lieu où les gens sont ouverts à être contactés. Donc, il ne faut pas hésiter. Par contre, il faut être dans un état d'esprit productif et efficace. En général, on va demander une rencontre de 15 minutes pour répondre à 2-3 questions, ce qui est très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude en France où on va au restaurant et on passe 2 heures à parler de la famille. Donc, c'est vraiment un lieu où vous allez pouvoir développer votre réseau. Et le but, c'est pas de demander du travail, mais c'est vraiment d'apprendre. Donc, faut approcher les gens avec cette attitude. Et c'est le deuxième but, c'est aussi de vous faire connaître, de faire circuler votre CV. Et donc, c'était aussi un outil, vous allez construire votre image professionnelle en ligne. Donc, on le sait, on dit tout le temps aux gens qu'il faut faire attention à ce qu'on a quand on Google notre nom. Sur LinkedIn, c'est très important de faire attention à son expression, comment est-ce qu'on interagit avec les gens, quel type de photos on met, etc. Donc, il faut vraiment voir le réseautage comme un investissement sur du long terme parce que les gens que vous allez rencontrer, qu'elles se soient en ligne ou en physique, les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, c'est peut-être vos futurs collègues ou vos futurs employeurs de demain. Donc, un outil où il faut aussi passer du temps et se former. Et dernier conseil, quand on est francophone et qu'on vient dans les provinces de l'Ouest, il faut améliorer son anglais et on peut le faire avant d'arriver. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, je vous ai listé quelques petits exemples. Mais lire les offres d'emploi, c'est vraiment une bonne idée pour repérer le vocabulaire de votre industrie parce qu'on l'a vu, ça peut changer. Et puis, écouter les news, par exemple, ça va vous permettre de voir qu'il y a beaucoup d'accents et une culture très diversifiée ici en Alberta. Donc, ça vous permet un petit peu d'assimiler par rapport à ça. Et comme vous l'avez vu dans plein de vidéos que vous avez trouvées en ligne, il y a une des choses qu'on préconise, c'est de s'entraîner, donc de
de parler devant sa glace, de s'enregistrer et donc de préparer les réponses aux questions les plus courantes que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous ai mis un lien, mais préparer son elevator speech, on en parle souvent, c'est savoir se présenter en 2 minutes à quelqu'un. Donc ça, en français, c'est pas évident, mais quand c'est pas sa langue, en anglais, c'est encore plus difficile. Donc il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et c'est ce qui va vous permettre un petit peu d'être mieux préparé et de trouver de l'emploi plus rapidement à votre arrivée. Et pour finir, je vous ai mis les 2 sites à retenir donc pour les résidents permanents, parce que moi, je travaille particulièrement avec les personnes qui ont ce statut-là. Donc, avoir le statut de résident permanent, ça vous permet d'avoir beaucoup de services qui sont gratuits, des formations aussi qui sont gratuites. Il y a 2 sites. Il y a un site pour les gens qui sont encore en France. Si vous êtes étranger, donc si vous êtes toujours à l'étranger dans un pays francophone, vous pouvez aller sur connexionfrancophone.ca pour vous inscrire et obtenir l'aide de conseillers pour vous aider à vous préparer à venir. Ça, c'est quand vous avez déjà commencé votre processus avec le gouvernement de demande de résidence permanente. Et si vous êtes déjà résident permanent et que vous êtes à Calgary, vous avez le portail connexion.ca qui est vraiment l'endroit où il faut s'enregistrer pour pouvoir après être référé dans tous les services de la ville de Calgary. Voilà pour moi. Je crois que Julie a toujours un petit souci technique puisque on la voit plus, on ne l'entend plus. Et oui, bah alors je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a dans le chat comme question. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si... Moi, j'ai vu tout à l'heure passer une question sur... je pense qu'il y avait une question sur le service d'interprète proposé à l'hôpital, savoir si c'était gratuit ou payant. Personnellement, j'en ai jamais bénéficié, mais ma compréhension, c'est que c'est un service qui est gratuit. Oui. Donc, je ne sais pas si toi, Carole, t'as plus d'informations à partager, mais... Oui, c'est vrai que le service de santé en Alberta est vraiment, par rapport aux autres provinces, c'est vraiment un bon service de santé parce que la province a vraiment investi dans ce domaine-là. Donc oui, c'est gratuit. Faut surtout pas hésiter à demander l'interprétation. Ça se fait à l'hôpital très facilement. Souvent, vous verrez des gens avec le petit logo « Je parle français », mais même avec votre médecin traitant, si c'est difficile, vous pouvez demander à avoir un service d'interprétation qui se fera souvent au téléphone dans le cabinet du médecin. Donc c'est une possibilité. La deuxième possibilité aussi, c'est qu'il y a des sites de référencement où on peut faire une recherche d'un professionnel de santé par la langue. Et donc, vous pouvez trouver des gens qui parlent français, mais il n'y en a pas beaucoup qui osent s'afficher. Donc, comme disait Mathilde, il y a beaucoup de gens qui comprennent et qui ont appris le français à l'école, mais qui ne s'affichent pas comme francophones. C'est vrai que quand on va sur ces sites-là, c'est plus difficile de parfois trouver des gens qui parlent français, surtout pour les professionnels de santé spécialisés. Les médecins traitants, on en trouve, mais après, quand c'est des spécialistes, c'est plus compliqué. Ouais, je suis en train de passer en revue la liste des questions. Il y a pas mal de questions sur le processus pour la résidence permanente. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps pour s'engager dans les détails sur la procédure pour obtenir la résidence permanente, mais vous pouvez trouver... Carole a quand même évoqué des programmes d'immigration, des nouveaux programmes qui sont proposés par la province, mais vous pouvez trouver des informations sur la demande de résidence permanente, notamment avec l'entrée express, sur les sites officiels d'immigration Canada. Donc, je vous invite à consulter ces sources-là, puisqu'en plus, les règles changent assez souvent. Donc, au moins, vous aurez l'accès à la dernière information disponible. Par rapport à ça, le site, c'est cic.gc.ca. C'est le site où vous allez avoir toutes les informations et il y a énormément d'options. Donc, il faut passer beaucoup de temps à trier un petit peu et à éliminer, dans le fond,
les programmes qui ne vous correspondent pas. Et si vous avez besoin d'aide, il existe des services de consultants en immigration qui peuvent vous aider à choisir le meilleur programme. Souvent, c'est payant. C'est peut-être 100 dollars, je dirais, pour une consultation d'une heure pour avoir une idée de quel programme choisir. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de bien s'assurer que la personne que vous payez pour vous aider est répertoriée par le gouvernement. Et donc, vous avez il y a un site sur le gouvernement pour vérifier si la personne elle est bien reconnue et certifiée. Ouais. Je ne sais pas si on a encore monsieur le consul en ligne, parce que je ne le vois pas à l'écran, mais en tout cas, enfin, je peux. Non, je ne sais pas si Roy, tu as vu, mais il y a une question concernant l'inscription au registre des Français. Donc, je pense que tu peux prendre la parole. Oui, c'est. D'abord, c'est extrêmement utile, surtout pour ceux qui veulent voter. Ils doivent être inscrits. Deuxièmement, ils reçoivent les annonces des tournées consulaires et d'autres informations. Et c'est assez simple, justement, de le faire en ligne. Et je pense que cette inscription dure assez longtemps. De souvenir, c'est valable 5 ans. Oui. Et il y avait donc Marnie sur Facebook qui demandait, puisqu'elle était, donc cette personne était inscrite au registre à Montréal et vient de s'établir à Calgary. Donc, je crois que c'est sur servicespublic.fr. Donc, on peut accéder à son dossier et faire des mises à jour. Absolument. Il y a tous les choix de consulats généraux sont là. Il faut juste ajuster, je crois. Et ensuite, le consulat général va émettre une nouvelle carte consulaire qu'on peut imprimer soi-même et qui en fait est absolument nécessaire pour faire des renouvellements de passeport et pour voter et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je crois que pour la mise à jour ou l'inscription pour pouvoir voter aux élections présidentielles, ça doit être fait avant le 4 mars, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça arrive à grands pas. Exactement. Il y a une question sur comment faire la procuration pour voter. Alors, normalement, ce qui se passe pour les procurations, c'est qu'il faut d'abord imprimer le formulaire qui a récemment changé. Et il peut se faire dans les deux agences consulaires maintenant de l'Alberta, à Calgary et à Edmonton, normalement aussi à Vancouver. Quand il y a des tournées consulaires, je crois qu'ils peuvent le faire, mais c'est très difficile d'avoir des rendez-vous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, notamment parce qu'il y a eu pendant quelques années l'impossibilité d'offrir justement ces tournées. Et ensuite, il y a l'option plus facile, c'est les bureaux de vote. Il y en aura à Vancouver, il y en aura à Calgary, il y en aura à Edmonton, donc ça, c'est aussi l'occasion de voter en personne. Et Roy, donc, juste pour confirmer la procédure à suivre, donc il faut prendre contact avec soit le consulat, soit donc toi, Gary, ou le consul honoraire d'Edmonton, pour pouvoir établir cette procuration. Oui, pardon, et j'allais ajouter qu'en principe, j'essaie de bloquer 2 midis par semaine, parce que je sais qu'il y aura une forte demande dans les prochaines semaines, en fait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et déjà, on en a fait, je ne sais pas, 7 ou 8 à Calgary. Je ne peux pas dire pour Edmonton, mais je suis sûr qu'ils en ont fait. Et je suis sûr qu'ils en ont fait plein à Vancouver. Oui. Mais le formulaire a récemment changé. Ça prend environ 15 minutes si les gens sont bien équipés, avec toutes les informations nécessaires, la preuve d'identité et idéalement la carte consulaire. D'accord. Et par rapport aux informations, j'insiste juste sur la procuration parce que c'est vrai que ça va devenir très important puisque les élections vont arriver très bientôt. Ouais. Juste pour confirmer, puisque moi j'ai pris connaissance du formulaire, si on a les informations, il suffit seulement d'avoir les informations de la personne à qui on veut donner procuration. Il n'y a pas besoin de copie de pièce d'identité. Pour la personne qui donne la procuration, on veut voir la pièce d'identité, oui. Mais à ma connaissance, on ne demande pas. J'imagine que la personne après qui va se présenter avec cette procuration doit de son tour, à son tour, faire des preuves dans la commune ou l'endroit où ils vont voter ou s'ils viennent au bureau de vote.
eux devront montrer et la procuration en original et leur preuve d'identité. Mais sur le coup, quand la personne veut donner la procuration, on ne demande pas la pièce de l'autre, je crois. OK. Julie m'a envoyé les questions par mail. Une nouvelle question. Donc, oui, vas-y. Est-ce que tu avais repéré une autre question? Moi, là, j'en ai une sous les yeux sur la location de voiture à long terme ou un leasing quand on est en PVT. Je sais que c'est assez compliqué quand on n'a pas fait, enfin, quand on est en PVT, ça dépend combien de temps on reste ici, mais il faut changer son permis de conduire. Après, je crois que tout est expliqué sur le site de PVTiste. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez rejoindre le groupe français à Calgary, puisqu'on a, on a beaucoup de gens qui ont posé déjà ces questions de comment s'établir ici, comment changer son permis, donc vous aurez accès à des ressources. Mais en tout cas, oui, c'est la problématique pour la location de voiture. Si vous n'avez pas un permis canadien, l'assurance vous coûtera très cher puisque ce sera considéré comme touriste. Donc ça, c'est quand même des éléments à prendre en compte. Et dans la même question, donc il y avait à nouveau la question sur l'actualisation de l'inscription sur le registre des Français établis hors de France. Donc ça, on y a déjà répondu. Moi, j'ai des questions que Julie m'a envoyées par mail par rapport à… Il y a une question qui est, est-ce que vous auriez des conseils pour bien s'intégrer et créer des liens avec la population locale? Donc, si tu veux, je peux y répondre ou à moins que tu veux y rajouter des choses. Donc, pour l'intégration, c'est sûr que il y a, on va dire que la culture ici, surtout en Alberta, c'est la culture du bénévolat. Donc, c'est un bon moyen pour rencontrer des gens. Il y a plus de 50% de la population qui fait du bénévolat régulièrement, plusieurs heures par semaine. Il y a même des employeurs qui donnent des heures à leurs employés pour faire du bénévolat. Et c'est un bon moyen au début pour rencontrer des gens et pour aussi comprendre une industrie, un nouveau milieu. Une autre chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est d'oser sortir de la maison, parce que parfois, quand on arrive de pays plus chauds, en hiver, on a tendance à vouloir hiberner un peu, à rester à la maison. Et en termes de recherche d'emploi ou même de faire des connexions pour rencontrer des gens, il faut vraiment se mettre en situation de sortir de la maison et d'oser demander. En fait, même si vous avez déjà les réponses à des questions, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec les gens, que ce soit le chauffeur de bus ou vos voisins, etc., d'oser aller poser des questions en disant « je viens d'arriver, je suis nouveau, j'aimerais savoir telle et telle chose », c'est un moyen des fois de pouvoir engager la conversation et vous allez voir que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à essayer de vous aider. On parlait de ça justement avec Mathilde dans la recherche d'emploi. On a vu beaucoup de gens qui avaient trouvé du travail simplement parce qu'ils étaient sur un poste dans un café de barista. Et en parlant avec les gens, les clients, ont pu obtenir des opportunités professionnelles. Donc, il faut essayer au maximum de sortir de la maison et de se mettre en situation. Donc, événements de réseautage, on n'a pas trop eu pendant le Covid. Il y a de plus en plus maintenant de nouveaux événements qui vont se faire en personne. Donc, il faut vraiment saisir toutes ces occasions-là. Les Français à Calgary, en particulier, organisent des événements assez régulièrement pour permettre aux gens de se retrouver. Et c'est souvent des bons moyens d'échange. Ouais. Même si bon, on a été impacté par la pandémie comme beaucoup de gens, mais il y a aussi donc c'est une bonne occasion pour mentionner donc l'Alliance française qui a été mentionnée tout à l'heure par le consul, qui organise aussi de nombreux événements à Calgary et Edmonton, et il y a également donc l'association Calgary Accueil qui est très active et qui propose aussi de nombreux événements, donc ça permet de rencontrer d'autres personnes francophones. Et pour rebondir sur la notion de bénévolat, prendre part aussi à l'organisation de festivals, ça peut être un bon moyen. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillaient dans d'autres secteurs d'activité, qui gravitaient dans d'autres, on va dire, sphères qui m'étaient inconnues. Et donc, sortir des sentiers battus, essayer des nouvelles choses et proposer vos services pour du bénévolat, donc dans des festivals, pour des organismes comme la banque alimentaire, des choses comme ça, ça peut vous permettre de créer de nouvelles connexions qui vont vous permettre de développer votre réseau ici.
Ce qu'il faut savoir pour le bénévolat, il y a carrément des sites internet qui ressemblent à des sites d'emploi où vous pouvez avoir toute une liste en fonction du secteur et de l'activité pour choisir combien d'heures de bénévolat vous voulez faire. Et il y en a même, il y a même un site pour tout ce qui est le bénévolat bilingue. Donc, votre français va être recherché. C'est la CFA qui propose ça. Et je vois, nous, par rapport à la Cité des Rocheuses, on a aussi des événements culturels. Donc, on a une salle de cinéma. On va avoir donc des gens qui viennent faire du bénévolat pour tenir l'entrée, etc. Donc, il y a plein de moyens, que ce soit dans le milieu francophone ou anglophone, pour essayer de rencontrer des gens et augmenter votre réseau de différentes façons. Oui. On avait une autre question. Carole, je ne sais pas si tu as vu sur les jobs d'été. Non, là, je suis en train de regarder ce que Julie m'a envoyé les questions. Donc, ouais. Vas-y, dis-moi. Il y avait quelqu'un qui posait la question sur comment trouver un job d'été dans les Rocheuses. J'aurais dit, pour l'hiver, c'est facile. Il faut regarder les sites, les réseaux sociaux, pardon, des stations de ski. En général, donc, le recrutement se fait, je crois, vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça, donc avant l'ouverture de la saison de ski. Je sais qu'il y a des activités d'été qui sont proposées dans certaines stations, notamment du vélo de descente, des choses comme ça. Je ne sais pas si toi, Carole, tu as des sites pour... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les villes comme Banff, Kenmore, toutes les villes touristiques, il y a souvent des centres d'emploi sur place. Donc, il y a le centre de ressources ou le centre de... Enfin, il faut taper centre d'emploi, en fait, dans la ville en question, ou simplement vous allez sur le site de la ville et là, vous allez avoir tous les liens qui vont vous amener vers l'économie et tout ce qui est local. Après, un gros employeur, l'été, ça va être Parc Canada. Il y a beaucoup d'embauches pour la gestion des campings, la gestion du parc. De regarder simplement sur le site du gouvernement et des parcs nationaux. Vous avez aussi des sites qui sont spécifiques touristiques. Il y a Tourisme Alberta en français, par exemple, qui existe, qui peut vous donner les bons liens pour aller à la recherche de ce qui se fait dans chaque ville. Mais le mieux, c'est d'aller sur le site de la ville. En général, il y a tous les liens parce qu'il y a des centres d'emploi spécifiques à ces industries-là. J'avais une question. Les deux grands hôtels à Banff et au lac Louise sont détenus par le groupe Accor, dont je ne sais pas trop comment on s'y prendrait, mais ça, c'est une information utile. Oui, donc par exemple, les Fairmont, c'est des chaînes d'hôtels qui sont très prisées au Canada. Et donc, il y en a un à Banff, un à Lac Louise. Et donc, sur leur site internet directement, c'est un petit peu le travail de recherche que je disais tout à l'heure, d'être capable d'identifier quels sont les plus gros employeurs dans la ville qui vous intéresse de destination et ensuite d'aller sur leur site internet directement. C'est toujours mieux d'essayer d'aller proposer vos services plutôt que de répondre à une offre d'emploi où il va y avoir 10 000 personnes qui vont essayer aussi. C'est sûr que ça, c'est une bonne stratégie aussi. Oui. Il y avait une question sur le fait de savoir si c'est facile de s'installer comme auto-entrepreneur. Est-ce que tu veux que je réponde ou tu veux nous dire quelques mots, Mathilde ? Moi, je peux partager mon expérience personnelle rapidement. C'est très facile de créer une entreprise en Alberta. Ça prend une demi-heure, je pense, quand on fait appel à quelqu'un d'extérieur qui sait remplir les documents comme il le faut. C'est possible de le faire soi-même. Néanmoins, moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que je voulais être sûre de faire les choses correctement. Mais oui, c'est très facile de s'installer comme auto-entrepreneur ici, de créer son entreprise. On peut avoir le statut de self-employed ou alors on peut créer une corporation. Donc c'est vraiment très simple. Néanmoins, j'encourage quand même les personnes qui s'intéressent pour prendre cette voie-là à se rapprocher de personnes, type comptable, etc., pour pouvoir faire les choses en bonne et due forme. Il y a beaucoup de... En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, beaucoup et qui est encouragé. Il y a des services gratuits qui sont offerts donc en français comme en anglais. En français, c'est le CDEA, c'est le Centre de Développement Économique. Donc, il y a des services où on va vous aider à construire votre business plan, on va vous aider à définir quelles sont les aides financières possibles, etc. Donc, si vous avez une idée d'entrepreneuriat, c'est tout à fait possible.
J'ai reçu un mail des filles qui nous disent qu'on peut essayer de peut-être clôturer cette session, à part si tu avais une dernière question que tu avais envie d'aborder. Non, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Il y en a encore beaucoup, mais malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes. Donc, si vous avez des questions sur l'installation à Calgary, vous pouvez donc rejoindre le groupe Français à Calgary et les partager sur le groupe, parcourir les ressources qui sont déjà disponibles. Et je vous remercie donc pour votre participation. Roy, est-ce que... Ah, on a perdu Mathilde. Donc... Nous aussi, on est disponible à l'agence consulaire et on travaille en équipe avec tous les présentateurs aujourd'hui. Et ça nous ferait plaisir d'aider des gens qui veulent s'établir. Et on est disponible. Bon, mais je vais clôturer alors avec le mot de la fin. Donc moi, la Cité des Rocheuses, vous ai dit, il y avait deux sites qui ont été partagés dans le chat. Connexionfrancophone.ca pour ceux qui sont en France et portailconnexion.ca pour ceux qui sont à Calgary. N'hésitez pas à aller parcourir tous ces sites. Tout vous sera partagé de toute façon dans le chat. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à PVT, à Julie qui malheureusement n'est plus avec nous pour l'instant. Mais merci Julie d'avoir organisé cette session avec tous les partenaires pour qu'on puisse un petit peu partager la vie en Alberta. Donc, très bonne soirée à tous. Bonsoir.